Troisième pour parler dans mes livres, et sinon, lorsque je ne publie pas, parce qu'il y a un livre, et clairement, et bien, je viens pour animer, pour faire ce que tu vas faire aujourd'hui. J'espère être aussi fort que toi. Alors, François Rivetta, grand prix du roman de l'Académie française pour mon maître et mon vainqueur, il y a 2 ans, et qui revient aujourd'hui avec l'usure d'un rôle, juste là, succès du printemps, le gros succès de Gallimard, mais j'en avons une traversée de l'Iran. Le lecteur te suit de ville en ville, ce que je trouve vachement bien, parce que généralement, même ce voyage, c'est jour après jour, c'est un peu comme des journaux intimes. Là, c'est vraiment des villes. Je trouve que c'est assez fort. Le tout agrémenté de photographies, toute la prise. Pendant 40 jours, fin de l'Iran, au moment où les manifestations sont sévèrement réprimées et les journalistes arrêtés. J'ai appris beaucoup de risques. D'où ma première question. Qu'est-ce qui t'a plu, François Rivetta ? D'autant que, si je pose cette question, c'est là que page 144 de ton livre, tu écris « Pourquoi l'Iran ? Pourquoi ce pays semi-désertique avec un gouvernement de semi-demeuré, où la justice était celle de l'État islamique, les libertés civiles celles de la Corée du Nord, l'économie celle du Venezuela et le système de santé celui du Bangladesh, quand tant d'autres pays plus beaux et surtout beaucoup plus sûrs étaient encore à découvrir ?» Mais alors ça, c'est une remarque qui n'est pas la fin. Ce sont les Iraniens eux-mêmes qui me présentaient leur pays comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en rencontrais, ils me disaient, mais ils s'étonnaient qu'on ait envie de visiter leur pays. Ils étaient stupéfaits à l'idée qu'un Français puisse s'aventurer dans des contrées aussi peu hospitalières à leurs yeux. Parce que tu es passé pour un touriste. Oui, évidemment. Non mais alors ce voyage était prévu de longue date. J'en rêvais depuis la lecture d'un livre qui s'appelle « L'usage du monde », qui est un récit de voyage de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, c'est un Suisse genevois qui, à l'âge de 24 ans, en 1953, décide de partir, de faire un long voyage avec un ami qui est peintre, qui s'appelle Thierry Bernet. Et ils partent ensemble en Fiat Topolino de Belgrade, en Yougoslavie. Ils traversent la Yougoslavie ensemble, ils traversent la Turquie. Traversent l'Iran, ils font une petite boucle au Pakistan, à Quetta, et ils terminent leur voyage un an et demi plus tard en Afghanistan. Et 10 ans après ce voyage qui dure un an et demi, Nicolas Bouvier en tire ce récit absolument magnifique qui s'appelle L'usage du monde, que j'ai lu à l'âge de 25 ans. Et je me suis promis à 25 ans de refaire ce voyage. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé sur la tombe de Nicolas Bouvier à Genève. J'étais avec son fils. J'étais allé faire une rencontre à Genève justement. À la Société d'études de Genève, pour un de mes livres précédents, et le fils de Nicolas Bouvier était dans l'assistance, et il est venu me voir à la fin, il m'a dit « Est-ce que vous voulez venir visiter la maison de Nicolas demain ?» J'y suis allé, il m'a montré ses globes, il m'a montré les exemplaires originaux du visage du monde, et on allait ensemble sur sa tombe, et il y avait deux choses, il y avait un admirateur et une admiratrice qui avait posé une petite Fiat Topolino en fer blanc, une Fiat Topolino miniature, et à côté il y avait un galet sur lequel quelqu'un avait écrit ce qui peut être la plus belle du taf. Nicolas Bouvier, et maintenant Nicolas enseigne le non-usage du ciel. Et j'ai trouvé ça magnifique, et je me suis dit ce jour-là, je me souviens précisément que c'est ce jour-là, je me donne un an pour partir. Le voyage était prévu début mars 2020. Finalement, il y a eu la pandémie, le confinement, les frontières iraniennes étaient fermées pendant très longtemps, puis j'ai publié un livre, donc je ne pouvais plus partir, et j'ai ajourné mon voyage à fin 2022. Or, le 16 septembre 2022, une jeune fille, originaire du Kurdistan iranien, rend visite à son frère à Téhéran, et les agents de la police des mœurs, qui patrouillent, estiment qu'elle porte son voile de manière un peu trop négligente, et décident de l'arrêter, la mettre dans un fourgon. Alors, c'est pas exactement ce qui se passe, mais visiblement, elle a été tabassée, et quand elle arrive au commissariat, eh bien, elle tombe dans le coma. Elle tombe dans le coma et elle décède 3 jours plus tard à l'hôpital. Et elle est enterrée le lendemain au Kurdistan iranien, à Saqqez. Et lors de son enterrement, eh bien, quelqu'un dans la foule se met à crier en kurde « Jin Jiyan Azadi ». Ça veut dire « Femme, vie, liberté ». Et ce petit cri du cœur qui est parti du cimetière de Saqqez, qui aurait pu rester cantonné au cimetière de Saqqez, à ce cimetière kurde, eh bien, va se propager à travers tout l'Iran,
Et ce cri-là, en persan, va devenir Zanzen de Gilazadim, plein de liberté, va être répété par un certain nombre d'Iraniens, notamment par la jeunesse iranienne, et le nom de Mahsa Amini, donc le nom de cette jeune fille, va devenir comme le mot de passe de la révolte, de l'insurrection, face à ce régime hyper liberticide qui est la République islamique. Et à ce moment-là, eh bien, les journalistes iraniens qui traitent de ce soulèvement sont mis en prison. Les journalistes occidentaux sont expulsés du pays. Ceux qui veulent y aller ne se voient plus délivrer de visa. Et moi, il se trouve que j'avais obtenu un visa précisément parce que je n'étais pas journaliste. Et donc la question s'est posée de savoir si j'allais à nouveau ajourner mon voyage. Finalement, je décide d'y aller et j'arrive dans un pays où il n'y a quasiment plus aucun occidental et où le peuple se soulève contre le régime de la République islamique. Et qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à partir? Tu avais déjà le projet du livre, mais ça ne pouvait pas être un livre de style à ce moment-là? Alors, non, justement, je n'avais pas du tout de projet de livre, j'avais le projet de faire un reportage sur l'Iran sur les traces de Nicolas Bouguier. Donc c'est vraiment le livre de Nicolas Bouguier, c'est né de l'émoi très fort, de la stupéfaction que j'ai eue lorsque j'ai lu Nicolas Bouguier. J'avais déjà fait quelques longs voyages, notamment un en Amérique latine, où je suis parti 6 mois sur les traces de Che Guevara, donc entre Buenos Aires et Caracas. Et j'ai écrit un récit de voyage sur ce voyage qui devait paraître en avril, et finalement on a repoussé la parution de ce livre pour publier celui sur l'Iran. Mais j'avais pas fait écrire un livre, et c'est après 2 semaines en Iran, eh bien j'avais tant de matière, je suis resté 6 semaines en tout, mais ça faisait 2 semaines que j'étais en Iran, quand a commencé à s'ébaucher dans mon esprit l'idée qu'il y avait matière à récit, finalement j'avais tant de choses à raconter, que j'ai décidé d'en faire un récit plutôt qu'un simple reportage que j'aurais publié dans une revue. Et donc toi, ce que tu t'es dit, c'est que voilà, ce projet qui était un projet de longue date, il y avait des événements forts, tu savais que tu n'étais pas journaliste, donc c'était entre guillemets plus facile pour toi d'y aller, mais est-ce que tu avais mesuré quand même les risques? Parce que le livre commence, et c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup, par un appel au centre de crise du ministère des Affaires étrangères qui te prévient juste au moment, juste avant le décollage, qui te dit de ne pas partir. Bah oui, parce que j'arrive à l'aéroport de Francfort et je monte à bord de l'avion, parce qu'il n'y a plus de vol direct entre Paris et Téhéran. Et je suis dans l'avion et je reçois un numéro inconnu, un appel de numéro inconnu. Moi, quand c'est un numéro inconnu, je suis curieux, je décroche. Et c'est un type qui m'a dit, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Desérables, vous nous avez fait part d'un projet de voyage en Iran. Nous savons que vous partez aujourd'hui. Descendez de cet avion, ne montez pas avant cette situation. Tu les avais prévenus? Je les avais prévenus, oui. J'avais inscrit sur un truc, c'est Ariane, parce que je ne fais jamais d'habitude, mais là je me suis dit que je l'ai fait. Et il m'a dit, vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire assez élevé. Il est vrai qu'il y avait 7 Français à cette époque qui étaient détenus en Iran, qui étaient des otages d'État. L'Iran pratique une diplomatie des otages pour obtenir des concessions. Il y en a un notamment, c'est Benjamin Brière, qui a été condamné à 9 ans de prison, pour rien. Alors, ils le font passer pour un espion. Finalement, il en a fait 3 et a été disparu il y a 2 mois et demi. Et donc, il y avait un vrai risque de détention arbitraire. Mais au même moment, eh bien, j'entends une voix qui grésille dans un haut-parleur et qui me dit en anglais, mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures de sécurité, mettre vos téléphones portables en mode avion, ce vol à destination de Téhéran est sur le point de décoller. Donc non seulement il était trop tard, et puis de toute façon je connaissais le risque encouru, et je sais que c'est un reproche qui peut m'être fait. On peut se dire légitimement qu'est-ce que ce Français va foutre en Iran à ce moment-là, sachant les risques encourus. C'est un reproche qui est légitime, mais je n'y suis pas allé pour négocier un tapis au bavard disparant, ou voilà, en revenir avec des miniatures de Shiraz, ou pas du tout, ou remplir mon téléphone portable de selfie à Persepolis. J'y allais dans l'idée de rencontrer ce peuple, d'aller à sa rencontre, d'écouter ce qu'on allait me dire, et d'en revenir avec un témoignage. Et ça me semblait d'autant plus important de ne pas me demander au dernier moment, parce qu'il n'y avait personne pour se faire le porte-voix à ce moment-là de la jeunesse iranienne. Et donc tu décris assez bien dans le livre le fait qu'on soit assez mal informé en fait en France. Plein de points, que ce soit même sur la question du voile, où j'explique que c'est certes
ce qui a déclenché les manifestations, mais c'est aussi la pauvreté. Tu parles de villes qui ont été décrites en France comme étant à feu et à sang. En réalité, c'est des manifestations assez disparates. C'est vraiment quelque chose que tu as ressenti, parce que j'ai retrouvé à plusieurs reprises. Il faut dire que tous les articles que vous avez lus, ou que moi j'avais lus, ce sont des articles qui ont été écrits par des journalistes qui étaient en France. Et à un moment, je ne vais pas dire le nom du journal, mais j'ai un ami qui était ami avec un grand reporter, un grand reporter, c'est un homme ou une femme, on va dire un grand reporter, qui écrivait des articles sur l'Iran. Et quand on lisait ces articles dans ce journal, eh bien, vraiment, on avait l'impression d'y être. C'est-à-dire que quand il parlait des gaz lacrymogènes que la police jetait aux manifestants, on avait les yeux qui piquaient lorsqu'il parlait, lorsqu'il évoquait les prisons dans lesquelles on les jetait, on entendait grincer les gonds des portes. Enfin, vraiment. Et moi, j'ai écrit à ce journaliste sur Instagram pour lui dire voilà, j'arrive à Téhéran dans quelques jours, je serai très heureux de vous rentrer, je suis bien avec des amis, etc. Enfin, vraiment un message plein de déférence, de respect, d'admiration aussi pour le travail qu'il faisait. Et puis, il me répond de manière très condescendante en me tutoyant et en me disant vous croyez vraiment que c'est une bonne idée d'aller en maintenant, ça n'est pas une blague. Bon, je travaille heureusement sur les zones rouges, j'essaye d'aller dans des endroits formellement déconseillés mais qui sont intéressants d'un point de vue littéraire à décrire. Je m'intéresse énormément à l'Iran, donc je vais quand même aller, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et il finit par me lâcher, et bien en fait non, ça ne va pas être possible parce que cet article il est écrit depuis Paris. Et alors moi je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire qu'on attend son client vers Londres en écrivant des articles sur la situation iranienne, sans jamais le préciser au sein des articles, depuis la terrasse du Café Flore et la Côte de Lila. Je un peu, mais en tout cas les informations qui vont parvenir, c'est des informations de seconde main, c'est-à-dire que c'était des témoignages que lui-même pouvait recueillir en Iran, mais toujours des mêmes sources. Et donc, ça déforme un peu la réalité. Et donc, à la Colombie, est-ce que, même quand on écrit un récit de voyage en étant sur place, il y a des passages très politiques, par exemple, dans ton récit de voyage, est-ce qu'on ne fictionnalise pas quand même ça pose quand même la question du rapport entre la fiction et la réalité. Quelque part, certes, il écrit depuis Paris, peut-être avec des témoignages par Skype, etc. Peut-être qu'il arrive à très bien faire ressentir certaines émotions, certaines situations, tout de même. Justement, quelle part dans un récit de voyage, quelle part tu as laissé, toi qui es romancier comme par ailleurs, est-ce que tu as laissé une part à la fiction ou est-ce que tu avais ce souci d'être très précis? Est-ce que c'est possible? Alors, non, parce que j'ai marqué récit sur la couverture et pour moi il y a un pacte comme ça entre l'écrivain et le lecteur. Et on ne peut pas trahir. Si j'avais mis roman, bon, je faisais ce que je voulais, mais à partir du moment où je mettais récit, les seules choses que je me suis permises, c'est j'ai changé les noms, il y a des personnages, par exemple, si je voulais parler d'une personne, parfois je prenais des traits caractéristiques d'une personne que j'avais rencontrée et je les mélangeais avec une autre personne, et je mélangeais les histoires, mais simplement ça c'était pour brouiller les pistes et pour ne pas porter préjudice à tous ceux qui m'avaient confié leur vie et que je ne trouvais pas qu'ils puissent être retenus par la République islamique. Les gens que j'ai rencontrés, il est impossible que les Basidjik, les gardiens de la Révolution les retrouvent simplement en lisant mon livre. Mais c'était plutôt une mesure de précaution. Mais j'ai pas voulu. Non, je ne voulais pas fictionaliser. J'aurais eu l'impression de trahir ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais. J'essayais d'être le plus fidèle à ce que je pouvais voir. Oui, tout en sachant que ça passait par ton prisme, qui est donc forcément ton regard, par les choix d'un itinéraire. Et d'ailleurs, comment tu as choisi cet itinéraire-là? C'est celui de Nicolas Bouvier. Donc, alors lui, il était arrivé par la Turquie, donc moi je suis arrivé à Téhéran. Ensuite, je suis descendu à Qom, qui est la ville sainte, l'une des villes saintes du chiisme, qui est le Vatican du chiisme, qui est une ville très oppressante, toutes les femmes sont en chador, même les fillettes de 6 ou 7 ans, où la vie tout entière est tournée autour de la prière, où aucune femme n'osait marcher dans la rue cheveux au vent, contrairement à Téhéran. Ça m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire que moi, je pensais que les femmes qui ne portaient plus le voile, c'était un épiphénomène. Je pensais que seule une poignée de femmes
osé braver cette obligation de port du voile. Or, lorsque j'arrive à Téhéran, je me rends compte avec stupéfaction que plus de la moitié des femmes de moins de 30 ans ne portent plus le voile. Donc c'était un mouvement qui était très suivi dans les grandes villes, dans les villes universitaires, à Téhéran, à Isfahan, à Shiraz, à Kaulon. Ensuite, je suis allé à Kashan, qui a été où je me suis un peu ennuyé, puis à Isfahan, à Shiraz, à Persépolis, à Kerman, à Paris. Je voulais t'arrêter sur la question du voile, justement, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, d'un passage dans ton livre que je vais vous lire, parce que la question du voile n'est pas du tout anecdotique. Comme tu l'écris dans ton livre, la moitié des filles de moins de 30 ans ne le portent pas. Alors, demande, ce qui est quand même assez courageux dans les grandes villes. Tu écris chez nous en Europe pour envoyer des influenceuses lifestyle apporter leur succès au peuple iranien dans des stories Instagram pour nous vanter dans les suivantes les mérites d'un rouge à lèvres, d'une crème hydratante, code promotionnel à l'appui. Celle-là, Firouzé et moi, étions d'accord, on les conchait. Et puis il y avait celle qui se coupait une mèche de cheveux en solidarité avec les femmes iraniennes, investissement minimal pour ces Firouzé, pour rendement maximal. Ça demandait peu de temps, ça ne présentait aucun risque, ça rapportait des likes et ça donnait bonne conscience. Elle, tout ceci, les querelles, moi, je ne savais qu'en penser. Je me suis demandé, justement, si c'était vraiment ce ressenti des Iraniens, est-ce qu'elle nous trouve lâche, finalement, de voir tout ça? Qu'est-ce qu'elle ressentait vraiment? Parce que le parler des querelles, c'est assez fort. Et ça, après, ça pose la question de ce qu'il faudrait faire. Mais ça, c'est une question qui est très intéressante parce que le problème, c'est qu'il y a cette Firouzé, je l'ai rencontrée au Mont Sauféré, qui est dans les faubourgs d'Ispahan. Le Mont Sauféré, c'est une petite montagne, ça prend entre 4 heures pour en faire l'ascension. Et elle avait grimpé ce matin-là pour prendre une vidéo d'elle au sommet où elle dirait des slogans, un dictateur, et elle voulait ensuite la poster sur Instagram. Ce qui est quelque chose de très courageux à faire lorsque vous êtes en Iran, puisque on peut vous arrêter, vous juger, vous condamner pour inimitié à l'égard de Dieu, ou corruption sur terre, ce sont des chefs d'inculpation assez larges, puis un jour à peu près ce que l'on veut. On sait que les conditions de détention en Iran sont absolument sont horribles. C'est un régime qui pratique allègrement la torture. Alors, une des spécialités locales, c'est de vous mettre dans une cellule minuscule avec un néon à la lumière aveuglante qui finit par vous priver de sommeil et vous rend absolument fou et comme ça on vous extorque des aveux. Les filles, on rapporte un certain nombre de cas de filles qui sont violées, on rapporte des cas de filles qui implorent qu'on leur donne la pilule pour ne pas tomber enceinte de leur bourreau, on rapporte des cas de filles dont on a filmé les viols et quand on les relâche, en finalement si tu comptes le moindre petit doigt, eh bien la vidéo de ton viol, on va l'envoyer à tes parents, à tes frères, à tes oncles, etc. Et il y a beaucoup de filles qui, une fois qu'elles ont été relâchées, se sont suicidées. Et donc cette Firouzé, elle était terriblement émouvante parce que elle me racontait qu'elle se préparait à l'éventualité, qu'elle était très impliquée dans les manifestations, elle avait 20 ans, qu'elle se préparait, qu'elle n'avait pas peur de mourir, qu'elle n'avait pas peur d'être légèrement blessée, qu'elle avait peur d'être gravement blessée parce qu'on allait jusqu'à arrêter les manifestants sur leur lit d'hôpital, et donc quand vous étiez gravement blessée dans une manifestation, si vous arriviez à extirper les griffes de la police, eh bien, on vous soignait chez vous, mais elle avait peur surtout d'être arrêtée. Elle avait peur d'être arrêtée, et pour se préparer à l'éventualité de la prison, eh bien, elle apprenait des poèmes. Et c'est vrai que le peuple iranien est un grand peuple de poètes. Nicolas Bouffier le dit déjà en 1953, il dit que dans les faubourgs de Téhéran, on rencontre des voyous qui connaissent par cœur des vers de Hafez. Et moi, je suis allé sur le tombeau de Hafez, à Shiraz, et les Iraniens, ils viennent avec le divan, qui est le recueil de poèmes Hafez, et cherchent dans les vers de ce poème, il y a plus de 6 siècles, des réponses à leurs questions existentielles. C'est extraordinaire. Et j'ai fait le test. Tous les Iraniens que j'ai rencontrés, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me réciter quelques vers de Hafez? Tous étaient en mesure de me réciter. Je ne suis pas sûr que si on fait la même chose avec Victor Hugo en France, on obtienne un taux de 100%. Et donc, elle apprenait des vers, et elle me disait que, eh bien, si jamais on l'arrêtait, si jamais on l'a privé de sa liberté, si jamais on l'a privé de sa dignité, si jamais on la torture, eh bien, au moins, il y avait une petite chose qu'on ne pourrait pas lui prendre. Et cette petite chose, eh bien, ce sont les vers qu'elle a appris par cœur, qu'elle connaît, et qu'elle se réciterait en attendant la mort ou la liberté. Et c'est vrai que lorsque vous entendez ça dans la bouche d'une fille de 20 ans, vous avez quasiment le double de son âge, vous n'avez pas le quart de son courage, eh bien, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est d'emporter le témoignage, c'est de vous faire le greffier de ces histoires-là. Et cette fille, justement, elle était très émue de voir que dans le monde entier, on parlait de l'Iran, on parlait de la cause
les femmes iraniennes, mais en même temps, elle ne pouvait pas s'empêcher de brocarder celles qui se coupaient une mèche simplement pour avoir des likes sur Instagram et qui faisaient la promotion d'un rouge à lèvres ou d'une crème amincissante entre deux. Et c'est vrai que c'est une question qui est légitime. Moi, je suis parfois agacé dans ceux qui sont engagés davantage dans la publicité de leur engagement que dans un engagement totalement sincère. Et en même temps, lorsque je ne dis rien, eh bien, je songe à ce poème du pasteur Martin Niemöller qui, pendant la guerre, disait, la Deuxième Guerre mondiale, « Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. » Mais justement, est-ce que couper une mèche de cheveux, c'est dire quelque chose? J'ai pas encore réussi à trancher. C'est dire quelque chose si c'est un engagement sincère et qui n'est pas simplement dénué de suite. Oui, parce que la question du voile, elle se pose aussi en France. Comment une jeune fille de 20 ans, comme tu disais, perçoit le fait qu'en France, d'autres femmes se voient, par exemple? J'ai pas envie de répondre à sa place, on n'en a pas parlé. Ma position sur le voile en France sur le voile n'a pas tellement évolué ça, mais sur le tchador, sur le... C'est quand même dur de rentrer dedans et... Oui, mais le problème c'est que tout à l'heure je me suis emporté contre... j'ai brocardé ceux qui parlaient avec autorité de sujets qui ne m'étaient pas tout à fait. Et moi, par exemple, j'attends d'aller vraiment passer beaucoup de temps dans les banlieues avant de donner une opinion ferme et définitive sur le port de voile en France. Je me posais la question, parce que c'est vrai que la réflexion sur les femmes qui coupent leurs cheveux, elle est intéressante, mais c'est vrai que, en disant, je m'attendais plutôt à une réflexion sur, plus générale sur le voile. Je voulais me cantonner à l'Iran. C'est-à-dire que je ne voulais pas commencer à dévier vers un débat français. Et quand on allait m'en parler, justement, je voulais parler de ça. Ça aurait pu venir d'elle, c'est pour ça. Ah oui, non, mais c'est pas lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très réussi dans lui, c'est un peu pour très femme. On se fait plaisir, mais on sent que ça fait plaisir à les décrire, on sent beaucoup de courage. Alors, il y a celle qui refuse effectivement le voile. Il y en a une qui est tombée son fer passé sur les agents du régime. Bah oui, parce que donc il y avait plusieurs moyens de montrer son hostilité à la République islamique. Le plus évident, c'était de manifester. Alors, les manifestations, c'est pas qu'en France. C'est-à-dire, on ne se donne pas rendez-vous à la place de la Bastille à 14h avec un itinéraire qui a été déclaré en préfecture. Vous allez devant le bazar avec un petit groupe d'amis, vous êtes deux ou trois, vous avez mis des baskets pour courir, vous avez un sac à dos avec des compresses imbibées de citron pour contrer les effets des gaz lacrymogènes, et vous commencez à crier les slogans. Et vous voyez ce qui se passe. Alors parfois ça retombe, et parfois, eh bien, ça prend. Et alors à ce petit groupe, ça agrège un autre petit groupe. Et ça fait un attroupement. Et l'attroupement grossit, ça fait une foule. Et quand la foule se reproduit comme ça de ville en ville, eh bien ça fait un peuple. Mais très vite, la police arrive. Et donc les manifestations ne duraient que 10 ou 15 minutes, pas plus. Donc c'était des éruptions comme ça, très éphémères. Et il y avait des moyens d'apporter son soutien à la République islamique sans manifester. J'ai rencontré un grand imam au sortir du bazar d'Isfahan, dans un Saint-Hermage, qui avait trois fers à repasser dans son sac. Et elle m'expliquait qu'à chaque fois qu'un manifestant se faisait courser sous sa fenêtre par un agent du régime, eh bien, elle avait un fer à passer qui, pas de chance, tombait du balcon. Donc vous voyez, il y avait divers moyens. Et j'ai rencontré une jeune fille que j'appelle Niloufar, à Téhéran, et on était près de la place Angola, qui est une très grande place, donc c'est des révolutions, donc ce serait l'équivalent de la place de la Concorde à Paris. Et à un moment, elle me dit, est-ce que tu veux entendre à quel point l'écho est merveilleux à Téhéran en ce moment? Je me parle du merveilleux écho de Téhéran. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme lorsque Mohamed Mougarsaf va parler demain de la secrète mémoire des hommes, on parlera de l'ange cubiste. Personne ne sait ce que c'est que l'ange cubiste. Eh bien, on le découvrira peut-être demain. Mais moi, le merveilleux écho de Téhéran, je ne savais pas ce que c'était. Et là, elle commence à mettre ses mains en cornée autour de sa bouche et elle crie le plus fort qu'elle peut « Marqba dictateur », ce qui veut dire « mort dictateur ». Et là, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que quelqu'un au troisième étage d'un immeuble a ouvert sa fenêtre et a crié mort dictateur. Et
Puis un type est passé en voiture, a baissé sa vitre et a crié mort au dictateur. Et ensuite, on a entendu dans la rue d'à côté quelqu'un crier mort au dictateur. Et j'ai compris ce que c'était que l'écho de Téhéran. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que quand elle a crié ça, eh bien moi, je me suis déporté vers la droite et j'ai fait comme si je n'étais pas avec elle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux personnes à une dizaine de mètres. Et je pense que inconsciemment, je me suis dit, attention, ce sont peut-être des agents du régime. Et il y a eu chez moi cette démission du courage. Je ne suis même pas sûr qu'elle s'en soit aperçue, mais moi je m'en suis aperçu. Et il y a un Allemand que je cite dans le livre qui s'appelle Kesserling et qui dit que le plus court chemin qui mène à soi-même passe autour du monde. Et c'est vrai qu'on en apprend, beaucoup sur soi-même en son voyage. Et bien moi, j'ai appris que si je me compare à ces jeunes filles iraniennes, finalement je dispose de réserves de courage qui ne sont pas très grandes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ça. Parce que je voulais témoigner de ce courage inouï de cette jeunesse iranienne. Et au premier rang desquels se trouvent ces jeunes filles. Et d'ailleurs, il y a une scène magnifique, et je vous laisserai la découvrir, une scène de fiançailles. Je pense que c'est bien que. Tu vas mal. Je dis juste ce que tu écris, c'est que tu cites Kundera à ce moment-là. Et cette phrase de Kundera qui est sublime. Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Bah, je suis content qu'on cite Kundera aujourd'hui parce que Kundera est mort il y a 3 semaines. Mais en fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que, vous savez, il y a cette théorie des deux corps du roi. C'est-à-dire qu'il y a le corps sacré, qu'incarne le roi, c'est par sa fonction. Et puis il y a le corps défroque, le corps qui va dans la terre. Et bien, qu'est-ce que le corps sacré d'un écrivain? C'est son œuvre, finalement. Et donc, quand il continue à survivre à travers ce corps de mots, à travers ses livres, il a envie de revenir, l'insoutenable légèreté de l'être, qui est le plus beau titre de l'histoire de la littérature, à travers les livres d'amour, à travers la valse aux adieux, c'est un livre extraordinaire. Et lorsque j'ai terminé, effectivement, il y a eu un moment qui m'a fait penser à cette phrase de Kundera que je viens de citer. J'étais dans un restaurant à Kerman, il y avait un repas de fiançailles. Et c'était l'atmosphère un peu empesée des repas sans alcool. On n'a pas le droit de boire en public. Enfin, on n'a pas le droit de boire du tout en Iran, mais en tout cas, on ne fait pas en public. Et il y avait des femmes comme ça qui étaient en chador, et après, il y avait des femmes qui portaient le voile. Et puis, il y avait cette jeune fille qui avait peut-être 25 ans, et qui était tête nue, cheveux au vent. Et un groupe de musique est arrivé et a commencé à jouer de la musique avec des instruments traditionnels. Cette jeune fille a commencé à claquer dans ses doigts, puis à taper dans ses mains. Et à un moment, elle s'est levée et a tourné comme ça dans un vertige. Et je voyais ses cheveux, ses longs cheveux qui tournoyaient comme ça au nez et à la barbe des chanoirs. Et j'ai trouvé que cette image était magnifique et j'ai songé tout de suite à cette phrase de Kundera, oui, à cette zone tout à fait spécifique du cerveau qu'on pourrait appeler la mémoire poétique, qui ensuite ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Et j'ai su d'emblée que cette image allait s'inscrire à jamais dans ma mémoire poétique. Et sans doute que si jamais je n'avais pas écrit sur ce voyage, eh bien finalement mes souvenirs auraient fini par s'effacer, mais ce que j'avais vu se serait dissipé comme ça dans les brumes de ma mémoire. Mais je crois que cette image néanmoins serait restée pendant très très longtemps. Je vous propose qu'on s'arrête là, j'avais juste une petite première question qu'on oubliait beaucoup dans le contenu, c'était important, parce qu'on va dire un livre sur la traversée de l'Iran, ça peut faire parfois un peu peur, et en réalité on lit beaucoup. Je vais vous quand même fouiller par passage, ça fait rien. Entre Com et Cachal, des militaires en treillis avaient mis en place un checkpoint. Ils prirent en photo mon passeport, mon visa, me demandèrent d'où je venais, où j'allais, depuis combien de temps j'étais là, et si je vous laissais personnellement qu'il y a des bonnes. Surtout me demande ça, et bien j'en sortis un, mais je considérais que ça n'était pas un chef d'arrestation suffisant, d'arrestation suffisante. Et pourtant. Et donc, juste la dernière question, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as envie de renouveler, de continuer à voyager, à raconter tes voyages? Bah, à voyager, oui. Après la lecture de Nicolas Couillet, finalement, le voyage a fait partie intégrante de ma vie. C'est quoi le prochain voyage C'est quoi le prochain voyage
le prochain récit de voyage, c'est peut-être sur les Sibériens en Amérique du Sud. Le dernier voyage que j'ai fait, j'étais en Syrie là, il y a deux semaines, enfin en Kurdistan syrien, en Rojava. Et le prochain voyage sur lequel j'écrirai, je ne sais pas, je suis dans le magasin. Ah, excusez-moi, allez-y, madame. Vous avez la priorité. Je passerai en chevaux. Ah, deux petites questions pour ça. Et puis après, mesdames. Le titre, il est arrivé avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage. Ah, le titre, est-ce qu'il est arrivé avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage? Bah, certainement pas avant, parce que ce livre n'était pas prévu. Il est arrivé pendant le voyage. Pourquoi l'usure d'un monde? Parce que ce monde, c'est celui de la République islamique, qui se régime liberticide, thanatocratique, qui règne par la mort et par la peine de la mort, kleptocratique, qui accapare les richesses de son pays. Et l'usure, parce que, en vérité, ce régime est, pour moi, il me fait penser à un arbre qui a été frappé par la foudre et qui se décompose sur pied. Et chaque voix qui s'élève, chaque slogan, chaque manifestation est comme un petit coup de hache dans ce bois mort. Et ce qui m'a fasciné en Iran, c'est qu'il y a une très grande... Je n'ai jamais rencontré un peuple aussi défiant à l'égard du régime. Et je crois qu'à terme, la République islamique est condamnée. Ce qui était fascinant aussi, c'est que les Iraniens venaient me parler spontanément. Je n'ai jamais rencontré un peuple aussi hospitalier. Nicolas Bouvier, en 1953, écrit, et c'est l'un des graphes de ce livre, « Ici, où tout va de travers, nous avons rencontré plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux persans en voyage n'en pourraient attendre de ma ville, quand pourtant tout marche bien. » Et bien cette phrase, à 70 ans d'écart, je pouvais la reprendre mot pour mot. Et donc les gens venaient me parler spontanément et vraiment me dire leur détestation de ce Alors, Bouvier, vous l'avez lu chez Paul ou la découverte? Ah, chez Rose, vous l'avez découvert. Bouvier est publié en 1963 à compte d'auteur aux éditions de Rose, et pendant 63, 73, 93, pendant 30 ans, ce livre, le premier tirage de 2000 exemplaires n'a pas été épuisé. Donc c'était un livre qui était très confidentiel, et au début des années 90, à l'initiative notamment du festival Étonnant Voyageur, il a commencé à être beaucoup lu, au point qu'il est devenu le saint patron des écrivains voyageurs. Et il a été republié par la Découverte, et aujourd'hui, il est quasiment unanimement considéré comme le plus beau livre de la littérature de voyage. C'est extraordinaire, la prose de Bouvier. Dès la deuxième page, il écrit, je vais vous donner un aperçu de ce que c'est que l'écriture de Bouvier, il dit « Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières affaires, au sens, on y cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. En vérité, on ne saurait dire ce qui nous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Wow. Félicitations, hein, c'est vraiment un super livre. À 16 euros, c'est le meilleur investissement de l'Alliance, peut-être avec la Terre solaire. Vraiment, merci, j'ai adoré ce livre. Et je me suis posé une question en lisant, finalement, vous ne rencontrez qu'une personne qui est proche des volages, enfin, la fin du gouvernement. Et comment, comment expliquez-vous le fait de ne pas avoir pu rencontrer d'autres nationalités qui n'étaient pas seules à être dans ce cadre-là, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu voir ce type de rencontre? Écoutez, je faisais du sport entre Cachan et Ispahan,
et un type s'arrête et je vois à son rétroviseur un petit pendentif qui représente la lettre Ramenei, le guide suprême. Je savais d'emblée à qui j'avais affaire. Et ce type s'appelle, enfin je l'appelle Yacine dans le livre, du coup il s'appelle vraiment Yacine, et il m'explique que il serait prêt à donner son sang dans l'instant pour prolonger la vie du guide suprême de quelques secondes. Il m'explique qu'il a trois filles qui les adorent, mais il déplore quand même qu'elles ne portent pas le tchador, qu'elles portent simplement le voile. Donc il me tient des propos qualifiés de très durs, très réactionnaires, très pour régime. Et en même temps, ce type était d'une douceur exquise et il s'arrêtait au bord de la route pour ramasser les bouteilles, les bouteilles vides. Il a fait un détour de une heure parce qu'il voulait tenir absolument à me montrer un village qui valait la peine d'être vu. Il m'a déposé sur le pas de la porte de mon auberge. Il a refusé la poignée de tomans que je lui tendais pour le dédommager de ses frais kilométriques. Il était vraiment, vraiment délicieux. Et c'est ça que je trouve formidable dans le voyage de soleil. Il y a une très belle définition de Faulkner. Lorsqu'il parle de la littérature, il dit que c'est comme craquer une allumette dans la nuit au cœur d'une forêt, et que tout à coup, vous n'y voyez pas plus clair, mais vous mesurez l'épaisseur de l'ombre. Vous voyez combien il y a d'obscurité partout, et vous mesurez l'épaisseur de l'ombre. Eh bien, le voyage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne voyez, vous voyagez pas tellement pour vous rincer l'œil de nouveaux paysages. Tourisme. Si vous voyagez, c'est pour en revenir avec des yeux différents, c'est pour en revenir avec un regard beaucoup plus aiguisé sur le monde, beaucoup moins émoussé par la succession des jours passés au même endroit. Et donc, c'était intéressant de voir que quelqu'un qui était très pro-régime n'était pas forcément un zélateur du régime, n'était pas forcément un criminel qui jouait aux billes avec les yeux des opposants politiques. Mais je n'en ai rencontré qu'un, et donc je l'ai regardé vraiment comme l'entomologiste regarde une espèce de papillon en voie de disparition. Et l'une des raisons pour lesquelles j'en ai rencontré qu'un, c'est d'abord parce que je ne suis pas idiot, je sais que ceux qui sont pro-régime sont moins enclins à venir parler à un étranger qu'on ne suspecte pas de partager leur vue. Et puis surtout parce que le peuple, enfin, il y a eu un sondage qui a été fait par les gardiens de la Révolution, par la garde prétorienne du régime, qui n'était pas censé destiné à être rendu public, mais comme le site des gardiens de la Révolution a été piraté, on a appris que 87% des Iraniens étaient en faveur des manifestations contre le régime. Donc 9 Iraniens sur 10 veulent que la République islamique tombe. Donc, de manière purement arithmétique, j'avais peu de chance de rencontrer des gens qui étaient en faveur de la République. À aucun moment j'ai eu peur. Alors j'ai eu peur à deux moments. Au moment de prendre l'avion, quand j'ai eu ce coup de fil de la cellule de crise, parce que je me suis dit que j'allais être arrêté à l'arrivée à l'aéroport. Finalement, je suis tombé sur un douanier à peine éveillé qui, d'une main indolente, a tamponné mon visa. Et puis, j'ai surtout eu peur. J'ai fini par être arrêté à Saqqez, au Kurdistan iranien. Ils m'ont monté dans un garage parce qu'il n'y avait plus de commissariat. Et donc, ils ont des garages, des anciens gymnases qui sont reconvertis en centres d'interrogatoire, de torture et de détention clandestin. Et là, ils m'ont posé des questions. Mais à ce moment-là, j'avais pas peur parce que j'avais l'esprit très aiguisé, très affûté sur les réponses que je devais leur donner. J'essayais de les mener en bateau le mieux possible. Et bon, ils m'ont gardé quelques heures, ils m'ont posé pas mal de questions. Un des trucs qui les obsédait, c'est si j'avais une copine au Kurdistan ou en Iran, si j'étais en couple avec une iranienne. Après, ils m'ont demandé évidemment où j'étais allé, ce que je faisais là, quel était mon métier. Alors, il se trouve que je voulais pas leur mentir, mais il fallait pas leur laisser entendre que je pouvais éventuellement écrire là-dessus. Et donc, comme mon précédent roman, Mon maître et mon vainqueur, disponible en folio au prix de 6,90€, était une histoire d'amour, et bien j'ai dit que j'étais Lord Novelist, romancier d'amour. Ils ont dû dire que j'avais écrit une bluette, so French, que ça ne pouvait pas porter préjudice à la République islamique, et ils ont fini par me laisser aller, mais quand même en me disant que je n'étais plus bienvenu, que j'avais 24 heures pour quitter le Kurdistan, 72 heures pour quitter l'Iran, et sans quoi je serais arrêté et mis en prison. Et donc j'ai eu peur a posteriori, quand j'ai quitté Saqqez, que je suis rentré à Téhéran et que je me suis rendu compte du péril auquel j'avais échappé. Et j'ai eu peur aussi au moment de prendre l'avion parce que je savais que
vous avez coutume d'arrêter les étrangers à l'aéroport. Et donc j'avais bien pris soin d'effacer toutes mes photos, tout ce que j'avais pu écrire. J'ai pris un avion à 2h du matin en me disant qu'il faudrait sans doute moins de zèle au milieu de la nuit. Et finalement, ça s'est bien débuté. Bonsoir, au théâtre ce soir, pardon, j'espère là-dessus, c'est de la littérature. Il semblerait que dans votre exposé, la liberté soit un peu au cœur des débats, voire même l'Iran, où la liberté est bridée, et que finalement, pour voyager, il faut être libre. Je ne sais pas s'il y a une cohérence dans mon cas, ma question. Il faut que je réponde, pour voyager, il faut être libre. Pour voyager, oui. Il faut être libre. La liberté. Oui, oui, alors c'est une notion de liberté, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une notion de liberté, mais c'est une leçon de courage et d'aspiration à la liberté que nous donnent les Iraniens. Mais pour voyager, il faut... Le voyage peut défaire et faire, alors, comme vous l'avez dit à juste titre, il y a quelques instants, alors, donc oui, s'il y a une explication à cela, est-ce que le voyage peut vous apprendre quelque chose, ou alors vous informer du côté négatif et positif du voyage? Oui, mais s'il n'y a pas la liberté au fond. Oui, mais alors moi, la liberté, je l'avais, la liberté d'aller et venir, j'allais où je voulais, je rencontrais les gens que j'avais envie de rencontrer. Je n'étais pas contraint dans mes déplacements. C'est pas comme si j'étais allé en Corée du Nord, au sein d'un voyage purement organisé par régime et qu'on m'avait montré ce qu'on avait voulu montrer. J'avais la liberté pleine et entière d'aller où je voulais, de rencontrer qui je voulais rencontrer. Donc je. J'arrive. Il y a d'autres questions? Oui. On ne va pas trop tarder, il y a Richard Malka après. Oui. Je ne fais que la première partie de Richard Malka ici. Hein. Qui va demander? Alors, moi, j'ai bien aimé votre titre, mais j'ai été choquée par ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, je ne suis pas allée à Persépolis pour faire des selfies. Ouais. Alors, étant allée en Iran il y a 5 ans, c'est vrai que j'ai retrouvé dans votre livre tout à fait des choses qu'on a vécues, pas de la même façon, mais j'ai retrouvé beaucoup de choses effectivement. Mais j'ai été choquée par ce que vous avez dit là, parce que en étant justement moi ni journaliste ni écrivain, mais juste touriste au milieu d'un groupe de touristes, il y a énormément de gens, en particulier énormément de femmes, qui sont venues me parler. Elles ont voulu me poser des tas de questions, en particulier dans la com, puisque la com, nous justement, c'est difficile de s'exprimer. Elles étaient toutes voilées, mais dès qu'elles voyaient une femme étrangère, elles, tout de suite, elles se précipitaient, et on s'est même fait interrompre par des gardiens d'arrêt. Attendez, je vous dis tout de suite, on est entièrement d'accord. Quand je disais je suis pas allé à Persépolis pour faire le tapis, c'est dans ces circonstances, à ce moment-là, spécifiquement. C'est-à-dire, ce qui aurait pu être condamnable, c'est que je suis allé à ce moment-là où il était formellement déconseillé de mettre les pieds en Iran, mais en temps normal, je trouve ça très bien de voyager en Iran. Je pense que plus il y a de touristes en Iran, et d'ailleurs c'est ce que toutes les femmes nous ont dit, plus les femmes, parce que ce ne sont pas tellement les hommes qui veulent engager la conversation avec les femmes, c'est toujours les femmes, nous ont tout dit, venir, vous connaissiez, parce que ce sont effectivement ces... Ah non, mais ne vous inquiétez pas, on est tout à fait d'accord. Moi, je parlais simplement de ce moment qui suivait la mort de Mahsa Amini, où il y avait un risque d'arrestation et de détention arbitraire qui était très élevé. Et qu'on aurait pu mais je crois qu'on aurait pu me reprocher d'être allé en Iran si ça avait été simplement pour ça. Mais le fait d'en revenir avec un témoignage, il y avait une sorte de raison sociale. D'autres questions? Bonsoir. Une dernière parce que oui, parce que nous attendons. Ensuite, nous avons Richard Malka qui va nous présenter son ouvrage. Et le temps passe. Alors, très chaud. Oui, bonjour. Lorsque j'ai acheté ce livre, j'ai acheté un désérable. J'ai pas acheté autre chose, je savais pas ce que c'était. J'ai pas toujours regardé le thème. Je lis systématiquement le livre. Si tous les Français faisaient comme vous, je me serais déjà acheté un livre. C'est un critère de déplacement géographique. Non, il y a pas seulement. À voilà, nous allons. Et on a, moi, j'ai suivi tous vos livres, j'ai découvert, etc. Donc, désérable, j'achète. Après, on va.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai diffusé comme j'ai pu, comme d'habitude, dès que j'ai lu ce livre, je l'ai diffusé un petit peu à des jeunes, à ma petite fille, par exemple, à des gens moyennement âgés, à des gens âgés. Et j'ai eu toujours, j'ai eu aucun retour déjà. Aucun. Tout le monde était content. Ma petite fille, 20 ans, ravie. Une autre amie, 55 ans, qui découvrait la ronde. Mais si, je travaille pour personne. Je travaille pour nos amis, c'est un mari. Et voilà. Donc, en ce qui me concerne, bien entendu, je suis rentrée dans les livres. J'ai une formation plutôt politique. Et ce livre, au début, j'ai dit, tiens, voilà Désirable qui va nous faire rire encore, qui va avoir son humour. Et puis, plus j'allais dans le livre, plus je trouvais que c'était sérieux et que ça pouvait ouvrir l'esprit de beaucoup de gens. Je ne vais pas vous dire que c'est un monument qui va aider le monde à comprendre les problèmes iraniens. Vous avez bien commencé, et là, ça a continué. Envoyez-moi votre livre. Voilà. Donc, en fait, lisez ce livre, il est génial. Il apprend quelque chose, il donne envie de connaître. Merci pour ce prosélytisme.